Bonjour à tous, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vous propose une séance de circuit training. Nous allons faire du renforcement musculaire et également du cardio. Pour cette séance, il vous faut absolument être en basket. Voilà, pensez à bien attacher vos lacets et vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Ne vous inquiétez pas, on trouve tout ce matériel-là chez soi. Pour commencer, un tapis ou une serviette au sol. Ensuite, vous aurez besoin d'une chaise pour la partie triceps. Donc une chaise ou un canapé, quelque chose où vous pouvez vous appuyer. Ensuite, pour les haltères, je sais que tout le monde n'a pas d'haltères chez soi. Du coup, je vous propose deux bouteilles d'eau de 1 litre ou de 1 litre 5, remplies bien évidemment. Les garçons, si jamais vous avez des haltères, faites plutôt avec des haltères de 2 kg. Les filles, je vous invite à prendre des haltères de 1 kg. Voilà. Donc, le circuit training aujourd'hui, comment ça va se passer ? On va partir sur un circuit avec 8 exercices. Donc, à chaque fois, nous allons faire 1 minute 30 de travail. Entre chaque exercice, vous aurez 15 secondes de récupération. Vous verrez, quand je mettrai la musique, vous entendrez un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, go. D'accord ? À chaque fois. Donc, vous aurez le décompte au départ de l'exercice et à la fin de l'exercice, puis au départ, vous allez entendre pour prendre le temps de repos. Et pour repartir, ne vous inquiétez pas, je vous guiderai à chaque fois. On va commencer comme ça. Je vais vous montrer tous les exercices avec les règles de sécurité. Et ensuite, je lancerai la bande-son et on partira pour un tour. Lorsque nous aurons fait un tour, nous prendrons 2 minutes de récupération avant d'enchaîner sur le deuxième tour. D'accord ? Pour que la vidéo soit plus courte, je m'arrêterai au bout d'un tour et vous pourrez la relancer pour faire votre deuxième tour. Très important de faire les deux tours. Car l'exercice qu'on va faire pour les fentes, il faudra faire l'autre jambe. Sinon, vous aurez une cuisse et une fesse plus musclées que l'autre. Ok ? Donc, c'est parti. Je vous montre aujourd'hui le premier exercice. Alors, le premier exercice de ce circuit training, ça va être des squats. Les squats, nous allons travailler ici les quadriceps et le grand fessier. Je me mets de profil pour vous montrer. Donc, vous allez partir pied largeur, un tout petit peu plus large que votre bassin. Pas trop non plus, sinon on est en squat pour les adducteurs. Ici. Et vous allez faire descente et remontée. Le but est d'amener les fesses vers le bas et vers l'arrière pour que les cuisses soient le plus parallèles au sol possible. Vous avez vraiment un appui dans vos talons. Quand vous remontez, vous poussez dans les talons, vous contractez les fessiers. Lorsque vous descendez, attention, vos genoux doivent toujours être au niveau des pointes de pied, ne jamais les dépasser. Et attention à ça également. Toujours gardez bien l'alignement au niveau des pointes de pied. Vous inspirerez à la descente et vous soufflerez à la montée. Ça, c'est le premier exercice, squat. Ensuite, le deuxième exercice, vous passerez sur le tapis. Nous allons faire des abdos crunch pour ici travailler la partie grand droit des abdos. Donc ici, vous allez venir vous allonger sur le sol, pied parallèle de la largeur de votre bassin et à plat sur le sol. Vous viendrez mettre ici les mains au niveau des tempes. Le mouvement, c'est d'enrouler, décoller les épaules et revenir. On soufflera bien à la montée. Et on inspire à la descente. Attention à ne pas tirer dans votre nuque. Si jamais c'est trop dur, n'hésitez pas à attraper votre tapis pour monter. Et bien sûr, imaginez que vous avez une pomme entre le menton et la poitrine pour vous grandir le plus possible. Pendant tout l'exercice très important, on aspire volontairement le nombril et on plaque le dos contre le sol pour contracter les abdos. D'accord ? Troisième exercice. Exercice cardio. Donc, c'est pas grave si vous réveillez les voisins en dessous, ne vous inquiétez pas. Le but, c'est de se dépenser sur le cardio. Si vous avez une corde à sauter, vous pouvez également faire de la corde à sauter. Mais l'alternative la plus simple pour faire à la maison, ce sont des jumping jacks. Les jumping jacks, tout simplement, on va venir sauter, ouvrir les jambes et les refermer. Très important pour activer le cardio, vous allez également combiner les bras, ce qui va vous faire ça. Ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Pensez à bien poser l'intégralité du pied au sol. Et à respirer, sans s'arrêter pendant 1 minute 30, des jumping jacks. Ensuite, les fentes. Alors, pour une belle fente, vous partez ici les deux pieds serrés. Vous glissez votre pied arrière. Le but étant d'avoir vraiment le poids du corps au milieu. Le talon arrière soulevé. Les mains ici à la taille. Et vous allez fléchir et remonter. Lorsque vous fléchissez, très important, on essaye de faire deux angles droits. Un devant, un derrière. Le genou ici va vers le sol. Le genou de devant ne dépasse jamais la pointe de pied. Ça, vous pouvez vous faire très très mal. Donc vraiment garder le poids du corps au milieu. Et le genou reste aligné à votre cheville à chaque fois. D'accord ? Le genou de derrière va vers le sol et remonte.
Pendant tout l'exercice, vous contractez vos abdos, on souffle à la descente et on expire à la montée. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 5, gainage. Il n'y a rien de plus simple, vous devez certainement le connaître. Je vais vous donner deux options pour le gainage. Option facile, pour ceux qui ont un petit peu de mal. Ici, vous allez être en appui sur vos avant-bras, les coudes alignés à vos épaules et vous restez sur les genoux, en contractant les fessiers et en serrant le ventre, pour réduire votre taille au maximum. Vous restez ici 1 minute 30, sans bouger. Ça, c'est l'option très très facile, d'accord? L'option normale, c'est exactement la même chose, sauf que vous tendez vos jambes et vous êtes en appui sur vos pointes de pied. Attention à ne pas faire la maison, d'accord? Ça, c'est faux. Et également le serpent, j'en vois tout le temps aussi. Voilà, donc restez bien alignés. Une planche. Donc à ce moment-là, si votre enfant est à côté ou votre mari est pas loin, vous pouvez l'inviter à venir s'asseoir dessus. Bien sûr, la planche ne doit jamais s'affaisser, qu'on soit bien d'accord. Hop. Ensuite, on passe au prochain exercice pour les épaules. Donc les épaules, vous partirez debout, vous prendrez vos haltères. Ici, vous allez venir plaquer vos coudes contre les côtes, d'accord? Les bras sont pliés, comme ceci, on fait un mi-angle droit en fait. Vous allez venir ouvrir et fermer, ouvrir et fermer. Pas besoin de monter plus haut que les épaules, restez bien toujours. Vous devez imaginer une mini-ligne descendante. L'épaule est toujours au-dessus de votre poignet. On souffle à la montée et on inspire à la descente. Pendant tout l'exercice, aspirez le nombril. Maintenez votre bassin car si vous creusez ici, vous allez vous faire mal au dos, d'accord? Ne compensez pas non plus avec le dos pendant l'exercice. C'est uniquement à la force des bras qu'on fait cette petite élévation, d'accord? Une fois qu'on aura fait les épaules, on va passer aux triceps. Là, vous allez avoir besoin de votre chaise. Pour les triceps, deux options. On va dire l'option fille et l'option garçon. L'option fille, c'est très simple. Ici, vous venez positionner vos paumes de main sur la chaise. Les bras le plus tendus possible et vous amenez les fesses à ras de la chaise. Vous gardez les pieds pliés en faisant un angle droit. Le but est de fléchir vos coudes en étant le plus proche possible de la chaise et descendre les fesses vers le sol. On plie et on tend à chaque fois. On plie et on tend. Ça, c'est des dips pour les triceps, d'accord? Option garçon, la même chose. Les jambes tendues. Ici, on garde les fesses proches de la chaise et on remonte. C'est un peu plus dur pour les garçons. 1 minute 30 sans s'arrêter. Donc, si jamais vous sentez que c'est trop dur, faites une mini pause et reprenez, mais ne vous relevez pas, d'accord? Et on finira par le 8e exercice. Ah ah, la chaise. Je ne vous ai pas dit que vous avez besoin de ça, mais il vous faudra un mur pour vous appuyer, d'accord? Donc ici, pendant 1 minute 30, je viens m'asseoir contre le mur, dos plat contre le mur, d'accord? Ici, vous faites un angle droit, cheville, genou, bassin, et vous restez, voilà. Je vous raconterai des petites histoires, peut-être, vous restez calmement, vous pouvez boire un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. On reste pendant 1 minute 30. Attention quand vous vous relevez, appuyez-vous et aidez-vous du mieux. Voilà pour les petites consignes de sécurité. Donc, on va partir pour un circuit training avec ces 8 exercices, à chaque fois, 1 minute 30 de travail, 15 secondes de récup. Une fois qu'on a fini ces 8 exercices-là, on aura 2 minutes de récupération pour boire un coup avant de faire le deuxième tour. Je vous retrouve donc tout à l'heure, à la fin de ce circuit training. On ne lâche rien et je vous donnerai le rythme en parlant. Vous êtes prêts, j'espère? Attention, c'est parti, je vais lancer la bande. On va commencer avec les squats. Préparez bien votre matériel. Attention, écoutez bien, il va parler. 5, 4, 3, 2, 1. À votre signal, c'est parti, Sigur. Yeah.
appuie-moi tes fessiers. Le prochain exercice, ça sera les abdos. Trois petits en bas. On remonte. Ah, ça y est, j'ai chaud, ça fait du bien. Hey, 1, 2, 3. On remonte. Que des petits. Attention, on va s'arrêter. Stop. Soufflez, préparez-vous pour les crunchs. Il va nous donner le signal. On se prépare. Allez, je compte sur vous pour les lâcher. 4, 3, 2, 1. On y va en single. Monte, descend. Souffle. Souffle. Allez, tirez par la nuque quand vous voulez bien. Souffle, inspire. Inspire le nombril. On continue encore. Monte, descend. Monte. Monte. Lâche rien. Yes.
début des trans de gainage. On lâchera rien. Encore. Tu vas lâcher. Vous non plus. C'est ça. 4, 3, 2. Fais une blague. Ne lâchez pas. Passez à votre maillot de bain cet été. Alors ouais, je serai là pour vous. Imaginez-vous en clubbing. Ouh! I'm a bad.
petit peu. On ne fait pas tout ça pour rien, sachez-le. Encore. On peut rester 3 heures ou pas? On est bien là? Moi je pensais que quelqu'un viendrait m'amener le café ou le thé. Je pense que je peux toujours courir. Je sais, vous avez pas mal. C'est facile. Encore. On reste. Ça commence à chauffer normalement. Oui, vous êtes en train de dessiner là. Encore. Allez, courage. Le mental. Les guerriers. Sur des squats, je vous laisse remettre la vidéo du début. C'est parti, bon circuit, on se retrouve tout de suite pour l'étirement. On a travaillé un petit peu le cardio et aussi on a fait du renfo pour les muscles. Si vous avez chaud et que certains muscles vous font mal, cela veut dire que vous avez bien travaillé. On va juste s'étirer quelques instants
avant de finir pour préparer votre récupération musculaire afin que vous ayez moins mal demain. C'est parti pour l'étirement, on reste debout. Allez, on prend une inspiration, on se grandit. Et on souffle, on relâche. On vient ici positionner la main droite au niveau de l'omoplate. Et on vient tirer le coude. Regardez, ça se passe comme ça. Allez, on reste, on étire le triceps. On a travaillé pendant les dips. Et on passe demain. Si on ramène le coude vers la poitrine, vous étirez les épaules. Gardez l'épaule basse. Et allez chercher sur le côté. De l'autre côté. Même au niveau de l'omoplate. Allez chercher le coude. À bien vous hydrater après cette séance. Faites attention à vous et à vos proches. À bientôt!